vrai que vous êtes adjoint, mais vous devez savoir que ce que dit le ministre là, c'est de l'abus. Parce que l'interdiction là ne repose sur rien du tout. Parce que lorsqu'on est en campagne, en période de campagne électorale, ceux qui boycottent les élections ont le droit de faire des manifestations. Dans tous les pays du monde, lorsque vous n'acceptez pas quelque chose, vous avez le droit de le dire au peuple. Et c'est le peuple qui tranche. Pourquoi eux, ils peuvent aller faire campagne et interdire à l'opposition d'aller dire aux populations de ne pas participer aux élections? Ça, c'est de la vie. C'est un pays qui fonctionne avec des comportements bizarroïdes. Alors, nous, nous n'allons pas nous laisser dicter quelque chose qui ne repose pas sur la loi. Ça m'a fait de réfléchir. Et vous attendrez ce que nous allons décider par rapport à ces journées-là. En tout cas, ils ont utilisé tous les moyens de dictature pour faire taire cette population pendant des années, mais nous ne sommes pas prêts à continuer ce temps-là. Les élections, aujourd'hui, dans ces conditions, aucun de nous n'ira. Appel à la CDAO pour qu'elle intervienne à temps, pour que la situation ne devienne pas catastrophique. La CDAO doit intervenir pour arrêter cette situation stupide qu'ils sont en train d'organiser, pour que nous puissions repartir sur de bons pieds pour sauver ce Togo. Le Togo a besoin d'être sauvé et je crois que la CDAO doit jouer son rôle pour arrêter les dérives avant qu'il ne soit trop tard.